بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la troisième séance de la leçon statistique. Au cours de cette séance, on va écrire un rappel concernant ce qu'on a déjà vu l'année dernière, le mode d'une série statistique et la moyenne arithmétique. Premièrement, mode d'une série statistique. Définition. Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Donc, on cherche le mode dont parmi les valeurs du caractère, on détermine le plus grand effectif. Et ce plus grand effectif est associé à la valeur du caractère qu'on appelle le mode ou bien la valeur modale de cette série statistique. Deuxièmement, la moyenne arithmétique. Définition, la moyenne arithmétique d'une série statistique est égale à la somme des produits effectifs multipliés par la modalité associée, le tout divisé par l'effectif total. Donc, on multiplie l'effectif par la valeur du caractère associé, on fait la somme de ces produits et on divise le tout par l'effectif total. Il y a aussi une remarque qu'on a vue l'année dernière, on peut calculer la moyenne en utilisant les fréquences. C'est en faisant la somme des produits, fréquence multipliée par la modalité associée, et sont divisés par l'effectif total. Parce que pour avoir la fréquence, on divise l'effectif par l'effectif total. Donc pour trouver cette moyenne arithmétique en utilisant les fréquences, on n'a qu'à faire la somme des produits, fréquence multipliés par la valeur des caractères associés. Ce sont des définitions qu'on a déjà vues. Maintenant, dans des exemples. Dans l'exemple 1, pour la distribution des effectifs du nombre d'enfants par famille, on a ce tableau. Nombre d'enfants par famille, et c'est le nombre de familles qui représente les effectifs. Bon, on a interrogé un nombre de familles. Concernant le nombre d'enfants, et on a obtenu ces résultats. 40 familles ont un seul enfant, 35 familles ont deux enfants, 25 familles ont trois enfants, 10 familles ont quatre enfants et 10 familles ont cinq enfants. Déterminons le mode. Donc, pour déterminer le mode, on cherche le plus grand effectif, c'est 40. Donc, le plus grand effectif est 40 et la modalité associée à cet effectif, c'est 1. Donc, 1 est le mode de cette série statistique. Pour calculer la moyenne, comme ce qu'on a dit, on multiplie 40 fois 1 plus 35 fois 2 plus 25 fois 3 plus 4 fois 10 plus 10 fois 5. On fait la somme de ces produits, on obtient 275 sur 120. Et on obtient enfin 2,29. C'est la moyenne. On peut dire aussi la moyenne du nombre d'enfants dans chaque famille. Prenons maintenant un deuxième exemple. L'étude de la taille de 25 élèves regroupés en classe est la suivante, qui est indiquée dans ce tableau. On a trois élèves qui ont une taille T de 140 cm jusqu'à moins de 150, et on a huit élèves qui ont une taille de 150 cm jusqu'à moins de 160, 10 élèves qui ont une taille
qui commence par 160 cm jusqu'à moins de 170, et 4 élèves qui ont une taille de 170 à 180 cm. Pour déterminer le mode, on cherche le plus grand effectif, c'est 10, et la classe associée à cet effectif, c'est 160 inférieur égal à t inférieur à 170. Donc le mode se trouve dans la classe 160 inférieur égal à t inférieur à 170. Passons maintenant à calculer la moyenne dans ce cas. On a vu l'année dernière que lorsqu'on a des classes, pour calculer la moyenne, on va considérer le centre de la classe. Comment déterminer le centre de la classe? Par exemple, si on a A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, pour déterminer le centre, c'est A plus B divisé par 2. Donc, pour déterminer le centre de la classe 140 inférieur ou égal à T inférieur à 150, on fait la somme de 140 et 150 et on divise par 2. On obtient 145. Pour le deuxième, le centre, c'est 155. Pour le troisième, c'est 165. Et pour le quatrième, le centre est 175. Donc, la moyenne est égale 3 multiplié par 145, plus 8 multiplié par 155, plus 10 multiplié par 165, plus 4 multiplié par 175. Le tout divisé par l'effectif total 3 plus 8 plus 10 plus 4. On obtient 4025 sur 25 égale 161. Donc la moyenne de cette série, c'est 161. On peut dire aussi que c'est la taille moyenne de ces 25 élèves est 161 cm. Passons maintenant au troisième paragraphe concernant la médiane d'une série statistique. On commence par donner des définitions. Ensuite, on prend des exemples pour bien éclaircir les choses et savoir ce que ça veut dire une médiane et comment la déterminer. Définition. La médiane d'une série statistique est un nombre M tel que au moins la moitié des individus de la population ont une modalité inférieure ou égale à M et au moins la moitié, la moitié des individus de la population ont une modalité supérieure ou égale à M. Donc, comme cette valeur M se trouve au milieu. Autrement dit, la médiane d'une série statistique est un nombre qui se trouve au milieu d'une série ordonnée d'observations statistiques. Donc, les données qu'on a, on les ordonne, les classes, et ensuite on cherche la valeur qui se trouve au milieu. On prend des exemples. On commence par l'exemple 1, le premier exemple où l'effectif total est impair. On considère donc les notes d'un groupe de 9 élèves. 9 est un nombre impair. Les notes d'un groupe de 9 élèves ont un devoir de maths. On a obtenu les résultats indiqués dans ce tableau. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la médiane? On commence par classer les notes. On a 9 élèves, donc on va classer 9 notes. Par exemple, de la plus petite à la plus grande. On choisit un ordre croissant. On a deux élèves qui ont 7. On écrit 7, puis 7. Trois élèves qui ont 9, la note 9. On écrit 9, 9, 9. Un élève qui a 11. On écrit 11. Et trois élèves qui ont 14. Maintenant, les 9 notes sont bien classées. Après, je vais former deux groupes qui ont même effectif. Là, puisqu'on a ici 9 l'effectif total, donc si je veux former deux groupes qui ont même effectif, je vais prendre pour chaque groupe 4 valeurs. Donc je prends
les quatre premières valeurs, 7, 7, 9 et 9, vont constituer le premier groupe. Je prends les quatre dernières valeurs qui restent. Donc 11, 14, 14, 14. Il reste la note 9 qui est au milieu. Donc la médiane, c'est 9. La médiane, c'est 9. Parce qu'on a ici un effectif total impair. Donc je peux former deux groupes qui ont même effectif. Elle reste une valeur au milieu. C'est la médiane. Prenons maintenant un deuxième exemple où l'effectif total est pair. Les notes d'un groupe de 12 élèves en un devoir de maths sont les suivantes dans ce tableau. On va faire la même chose. On va ordonner les 12 points, les 12 données qu'on a. Donc on a 7 une seule fois, 8 trois fois, 10 deux fois, 11 une seule fois, 13 quatre fois et 16 une fois. Donc ils sont bien ordonnés du plus petit au plus grand. Je vais maintenant former les deux groupes qui ont même effectif. Puisque l'effectif total c'est 12, divisé par 2 ça fait 6. Donc je peux former deux groupes, chacun contient 6 valeurs. Donc je prends les 6 premières valeurs, je ne vais pas prendre 6 valeurs n'importe lesquelles. Je prends les 6 premières valeurs. 7, 8, 8, 8, 10, 10. Et les autres valeurs qui restent sont c'est 11, 13, 13, 13, 13, 16 et qui constituent le deuxième groupe. On voit bien qu'on n'a pas de notes au milieu. Donc, comment déterminer la médiane? Dans ce cas, toute valeur comprise entre 10 et 11 est une médiane de cette série. Toute valeur, tout le nombre qu'on a qui sont comprises entre 10 et 11 sont des médianes. Et en général, pour la déterminer, on prend la moyenne de ces deux, des deux données centrales. Donc on fait 10 plus 11 divisé par 2. Ça fait 10,5. Donc la médiane de cette série est 10,5. Donc ce sont les deux cas qu'on peut rencontrer. Soit qu'on a un effectif total impair, comme le premier exemple, soit qu'on a un effectif total pair, comme dans le deuxième exemple. Donc, je répète, si on a un effectif qui est impair, donc lorsqu'on ordonne les valeurs qu'on a, je peux former deux groupes qui ont même effectif et reste une valeur au milieu. C'est la médiane. Donc, c'est simple à déterminer. Mais lorsqu'on a un effectif qui est pair, je vais constituer deux groupes qui ont même effectif, c'est la moitié de l'effectif total, et je n'aurai pas de valeur entre les deux groupes. Donc la médiane, c'est toute valeur comprise entre les deux données centrales. Les deux données centrales. Voilà. Donc, et en général, on prend 10 plus 11 divisé par 2 dans ce cas. On essaie de généraliser l'idée. Donc, cas général, pour déterminer la médiane, on va supposer cette fois-ci qu'on a l'effectif total, c'est n. L'effectif total, c'est n. Et on va envisager les deux cas. N est impair, n est pair. Donc, si l'effectif total n est impair,
La médiane est la donnée de la série ordonnée de rang n plus 1 sur 2. J'explique cette partie. Lorsqu'on a un effectif impair qui est n, lorsqu'on ordonne les valeurs, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, donc lorsqu'on arrive à la valeur qui a pour rang n plus 1, tu divises par 2, c'est la médiane. C'est la médiane de cette série statistique. Je donne un exemple. Supposons par exemple qu'on a comme effectif total 35. 35 est l'effectif total. Bon, si j'ordonne, je classe les valeurs, j'aurai 35 valeurs. 35 valeurs, par exemple, qui sont classées de la plus petite à la plus grande. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite. Donc, quelle est la médiane de cette série qui est constituée de 35 valeurs? C'est, pour déterminer la médiane, c'est 35 plus 1. Ça fait 36 divisé par 2, c'est 18. Donc, la 18e valeur. Je compte la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 18e valeur. C'est la médiane de cette série statistique. Dans le cas de n impair. Passons maintenant au deuxième cas, si l'effectif n est pair. Si l'effectif n est pair, aucune donnée de la série ordonnée ne partage la série en deux groupes de même effectif, comme dans le cas ici. Je n'ai pas de valeur ici au milieu. Donc, toute valeur comprise entre les données de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Donc, ce donnée, cette valeur, est là pour rang, tertib dialha, ou n sur 2. La sixième, Hafad al-Haladi, on a 12 divisé par 2, c'est 6. Donc, c'est la sixième valeur. Et celle-là, c'est la septième valeur. Donc, si on prend n sur 2, l'autre, c'est de rang n sur 2 plus 1. Toute valeur comprise entre ces deux données peut être prise comme médiane. Et en général, on prend la moyenne de ces deux données centrales, comme ce qu'on a fait dans cet exemple. On a pris la moyenne de ces deux centrales. 10 plus 11 divisé par 2, ça fait 10. Donc, c'est le cas. Je donne un exemple ici du deuxième cas. Supposons, par exemple, qu'on a un effectif égal 40, qui est un nombre pair. On sait bien que 40, avec 40 valeurs, je peux déterminer deux groupes. Chaque groupe contient 20 valeurs. Et je n'aurai pas de valeur entre les deux groupes. Donc, si je classe les 40 valeurs de la première jusqu'à la 40e. La première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 40e. Donc, pour déterminer la valeur médiane, on va prendre la 20e valeur. La 20e. La première, deuxième, jusqu'à la 20e. Et je vais prendre l'autre qui est après, qui est la 21e valeur. Donc je prends ces deux valeurs que j'ai. La première valeur qui a pour rang 20 et l'autre qui a pour rang 21. Donc toutes les valeurs comprises entre ces deux données peuvent être considérées comme médiane de cette série. Et on prend toujours la moyenne de ces deux valeurs. Bon, pour qu'on finisse, il reste une remarque. Dans le cas où on a un plus grand effectif, pour classer les valeurs, on ne va pas utiliser, comme ce qu'on a fait pour ces deux exemples,
Par exemple, si j'ai l'effectif total égal à 160, ou bien 200, ou bien 250, ou bien un nombre qui est important, donc le fait de décrire toutes les valeurs et de les classer, c'est une chose qui n'est pas pratique. Je ne peux pas le faire. Je ne vais pas passer le temps à écrire les 160 valeurs ou bien les 200 valeurs. Donc pour ça, on va utiliser les effectifs cumulés. Parce que les effectifs cumulés nous aident à savoir le rang de chaque valeur. Et c'est ce qu'on verra lorsqu'on propose des exercices suivants. Chers élèves, je vous propose de faire ces exercices 1, 2, 3 et 4 qu'on corrigera la prochaine fois, Inch'Allah. Pour l'instant, je vous laisse. Dumtum fi ri'ayatillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.